Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Moi je suis super contente de vous retrouver. Oui, ça fait un petit moment que je n'ai pas pris la caméra. Mais bon, là j'avais un petit peu de temps. Je me suis dit, allez hop, on prend la caméra et on tourne les produits techniques. Donc allez, c'est parti. Donc allez, je prends au pif, hein, comme d'habitude. Hein. Donc alors, dans un premier temps, alors j'ai terminé un gel douche de la marque Sobio. Donc là, c'est le parfum verveine citron hydratation fraîcheur. J'espère que vous allez voir parce que la luminosité, elle est pourrie. J'ai pas mis les lumières, donc voilà. Donc au niveau de l'odeur, je n'ai pas trop apprécié. De toute façon, c'est mon mari qui l'a terminé. Donc voilà. Donc ça, non, je ne rachèterai pas dans ce parfum-là. Mais j'ai déjà racheté dans d'autres parfums. Donc, voilà. Ensuite, j'ai terminé une eau micellaire de la marque Label Bio. Donc cette eau micellaire, vous la trouvez chez Intermarché. Et franchement, le prix, ça vaut le coup. Et en plus, ça a été reconnu Victoire de la Beauté 2017-2018. Moi, j'adore. Franchement, c'est pour les peaux sensibles, avec 90%. Nanana. Franchement, ça, je vous le recommande. Franchement, copeau clean. Moi, j'adore l'utiliser. Donc voilà. Donc ça, oui, j'ai déjà racheté. Voilà. Quand j'aime bien, je rachète. Donc oui, ça, j'ai racheté. Donc, oui, tous les coups. Ensuite, j'ai terminé, voilà, ce gel nettoyant dermo-fraîcheur de la marque Jonzac. Ça, c'est le gel nettoyant, c'est ma petite routine depuis quelques mois. Franchement, je l'adore. Ça, je le trouve chez Amazon, quoi. Franchement, je l'adore. Hypoallergénique, sans savon, dermo. Franchement, ça, pareil, combo clean. Franchement, je peux que vous le recommander. En plus de ça, j'ai des problèmes d'acné hormonal. Franchement, il fait bien son job. Ça, plus deux petits trucs à côté qui sont dans le sac pour terminer. Franchement, ça fait le taf, quoi. Moi, franchement, ça me sauve la vie, quoi. Donc, voilà. Ensuite, vu que je parle bouton, on va venir faire les deux ces petits trucs. Donc, avec ce petit gel nettoyant de la marque Jonzac, dès que j'ai terminé de nettoyer mon visage avec ça, j'applique sur mon visage cette petite eau là, c'est une, ouais, c'est une solution. Donc c'est de l'exomédine. Donc vous avez en 45 ml, donc c'est des petits flacons. Donc si vous avez de la perfection, voilà, vous prenez un petit bâtonnet ou un petit disque et vous appliquez, voilà, vous attendez. Et ensuite, je viens appliquer cette petite crème. Donc là, c'est la de la marque Eau Thermale de chez Avène, la Cicalfate. C'est une crème réparatrice pour les peaux sensibles. Donc cette crème là, elle est à base de zinc, et le zinc, c'est bon pour tout ce qui est problème de peau. En fait, ça agit à l'intérieur au niveau de l'inflammation. Donc voilà. Donc j'utilise ces trois combos là, franchement. Ah mais ça m'a sauvé la vie, quoi. Franchement, l'acné hormonal à 30 piges passées, non, c'est bon, quoi. Donc voilà, donc l'exomédine, vous la trouvez en pharmacie, et donc dès qu'elle est ouverte, il faut l'utiliser dans les 15 jours. Idem pour la crème Avène. Donc voilà, donc ça c'est pareil, je viens d'aller à la pharmacie et d'aller en racheter. Donc ça, je vous le recommande, franchement, si vous avez des soucis de peau. Donc voilà. Ensuite, bon allez, on va partir dans les gels douches. Mon mari a terminé, oui, encore. Donc le gel douche de l'eau de Gourziana de chez Florence Nature. Donc l'odeur, il adore. Donc ça, je les trouve sur Beauté Privée. Donc oui, ça, si je retrouve, c'est sûr que je vais lui racheter. Mais bon, avant, il va finir son petit stock de gel douche. Ensuite, toujours pour les produits de corps, j'ai terminé tout à l'heure un gommage corporel. Donc ça, c'était la marque MBMO. MBMO, je ne sais pas comment dire. Donc gommage corporel. Donc ça, je l'avais eu dans une box, Beautiful Box. Donc voilà ça. Donc au début, je n'osais pas trop l'utiliser, mais franchement, il est top, il gomme bien la peau, pas d'effet, pas de réaction allergique ni rien. Donc franchement, ça, je vous le recommande aussi. Donc voilà, bon, ça, je pense pas le racheter parce que je ne sais même pas où on peut le trouver. Donc voilà, donc ce sera un autre. Ensuite, toujours dans les produits du corps. Donc j'ai terminé, ouais, c'est tout dégueulasse, ça atterrit par terre, les siens, ils ont été foutre leur poil dessus. Donc j'ai terminé une huile anti-cellulite à base de bouleau, donc de la marque Sienne. Donc vous trouvez ça chez Lidl. C'est l'huile de Q10 raffermissante. Donc franchement, cette huile là, je ne sais pas si ça enlève la cellulite. De toute façon, nous les femmes, on est prédisposées à en avoir. Donc je dirais que ça hydrate bien la peau.
Après, niveau cellulite, j'en sais strictement rien, c'est ça, lui. À part le sport, je pense qu'il y a encore. Je fais du sport, il y en a encore. Donc, ouais, ça, je l'ai racheté parce que j'aime bien, ça hydrate bien. Donc, voilà. Mais après, le côté anti-cellulite, après, je sais pas si c'est efficace ou pas. Je n'en sais strictement rien, ou c'est peut-être de la gnonotte, juste pour nous faire acheter. Donc, voilà. Donc, après, voilà, si vous avez envie d'une bonne petite huile hydratante. En plus, il y en a une nouvelle en ce moment chez Lidl. Je l'ai prise aussi, il faut que je la teste aussi. Une bonne petite huile hydratante, pas trop chère. Moi, je vous la recommande. Donc, voilà. Ensuite, toujours dans les produits. Allez, on va rester dans les produits de chez Lidl. Donc, chez Lidl, j'ai terminé 4 petites crèmes de jour et de nuit. Donc, il y en a 2 à la rose musquée et 2 à la grenade. Donc, il y a la crème de jour et la crème de nuit. Donc, on va aller faire la grenade. Donc, c'est aussi. Donc, c'est crème de jour, crème de nuit. Donc, c'est soin de visage, visage anti-âge. Donc, franchement, ouais, j'ai bien aimé. Mais le petit hic, c'est que quand vous avez la peau sèche, il faut en mettre une quantité énorme et vous les finissez vite. Sinon, à part ça, moi, j'aime bien les utiliser. Pas de réaction allergique ni rien. Franchement, si vous avez un petit budget, je vous le recommande. Donc, voilà. Idem pour les autres. Donc, là, c'est rose musquée. Crème de nuit, crème de jour. Pareil que l'autre. Je trouve que si vous allez à peau sèche, ben, il faut en mettre une tonne. Donc voilà. Et en plus, en ce moment, il y en a une nouvelle que j'ai là sous la main. Donc en ce moment, j'utilise celle-ci. Donc celle-ci, c'est là, quoi là. C'est même pas écrit en français. C'est bio apparemment. Crème bio. À la grenade et au bois de goji. Idem, parce que cela, hein, franchement, il faut en mettre 3 tonnes. Mais ça reste quand même des bonnes petites crèmes à petit prix. Donc voilà, ça peut dépanner. Voilà. Allez, ensuite, toujours de chez Lidl, j'ai terminé une crème pour les mains au calendula, nourrissante pour peau sèche. Ouf, oh bah voilà, regardez. Oh, mort de rire. Allez, c'est bon, c'est pas grave. Ridicule, n'est-ce pas. Donc, cette crème-là, oui, j'ai bien aimé l'utiliser. Ouais, bon, moi, quand les crèmes, ils partent vite, hein, je demande à mon petit chéri de me faire des massages de main. Mais j'adore, j'ai bien aimé, franchement, ouais, ça, je pense que je rachèterai, mais avant, il faut que je finisse les autres. Et ça, je peux vous le recommander aussi, petit budget, petite crème pas chère. Donc, voilà, et moi, j'ai de la crème sur le pif, c'est génialissime. Le riz, franchement, à chaque fois que je prends la caméra, c'est pour faire des conneries. Mais bon, c'est pas bien grave, vous avez l'habitude. Ensuite, j'ai terminé un gommage visage. Alors, c'est de la marque Catchy, gommage à l'argile blanche. Donc, elle a l'aloe vera. Donc, celle-ci, affine grammes peau et nifie. Moi, j'aime bien utiliser les produits Catchy. J'adore cette marque. J'ai le masque à l'argile verte, à l'argile rose ou rouge, je ne sais plus. Donc, voilà, j'ai terminé le gommage. Ouais, franchement, j'adore. Avant, j'ai le petit flacon de chez Yves Rocher, là, que vous ajoutez à votre gel. Je vais le finir et ensuite je suis sûre que je rachèterai cette marque là. Franchement, je vous la recommande. Franchement, bio, compo, clean. Et le prix, ça va, ça reste raisonnable. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé. Donc ça, j'avais eu ça dans une Beautiful Box aussi. Mais ça fait un moment, mais bon, je l'ai quand même terminé. Donc c'est de la marque Guérande. L'eau de mer, principe osmoactive iso, voilà. Donc c'est un must visage coup d'éclat. Oh, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Regardez la preuve. Je vais couper pour aller chercher ce qui reste dedans. Donc ouais, franchement, j'ai beaucoup aimé. Mais bon, je ne sais pas si je rachèterai, je ne sais pas où je peux la trouver. Mais bon, j'en ai 2 autres à finir avant. La marque Avril, il y a quoi d'autre, la marque Jonzac et tout ça. Donc voilà. Donc si je la retrouve, ouais, je pense la racheter. En plus, c'est bio. Donc copo clean. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé. Donc c'est hydratant. Oui, ça hydrate bien. Donc voilà. Ça. Bon allez, on va passer au toutou. Donc pour les filles, comme d'habitude, les filles et le garçon, parce que lui, il y a un petit nouveau depuis quelques mois. Donc ils ont terminé un nettoyant auriculaire de la marque Virbac. J'aime beaucoup utiliser l'odeur. Non, non, mais eux, ils n'aiment pas du tout ça. Mais bon, c'est pour leur bien. Donc voilà, oui, ça, à chaque fois, on le rachète. De toute façon, on l'a en abonnement sur Amazon. Donc voilà. Tu fais quoi, Miko? Tu viens? Tu veux faire coucou à la caméra? Allez, viens voir. Donc voilà le garçon, petit Miko. Donc ça fait 8 mois qu'il est à la maison. Hein? Oui, oui. Hein? T'es heureux parmi toutes ces filles? Oui, bah oui, hein. Allez.
Elle est avec les autres. Ici, il y a Lily. Ouais, bah, à chaque fois que je tourne, je suis jamais seule. Il y a Lily qui veut faire un coucou aussi à la caméra. Oh, allez. Coucou, les abonnés. Voilà. Allez, c'est bon. Zou. Il y a Jessie aussi? Oh non, c'est bon. Ah là là. Après, c'est tout, hein. Donc voilà, la Jessie, la petite mémère. Coucou les abonnés. Voilà, il y a Nounouille aussi. Oh my god, il y a tout le monde qui va se ramener. Et voilà la Nounouille. Voilà, c'est bon. Allez, c'est bon, laissez-moi finir. Donc ensuite, j'ai terminé un vernis à ongles de la marque Yves Rocher. Donc ces vernis à ongles là, je les adore. Franchement, au niveau tenue, top coat, pareil, je les adore. Donc cette teinte, c'était pour perler. Donc voilà, donc c'était un rose un peu pailleté. Et c'est la teinte 108. Ouais. Mais bon, après, j'en ai pas mal à finir là-bas. Donc dès que j'aurai fini, si je le retrouve, c'est sûr que je le rachèterai. Mais avant, on finit les autres. Ensuite, toujours dans les mains, j'ai terminé ce dissolvant de la marque Fraîcheur. Donc c'est une marque que j'adore beaucoup utiliser, ce qui est lingette. Là j'ai les garçons, ils sont en train de tester les gels douche, la marque Fraîcheur, ils sont super bons. Donc c'est un dissolvant de la marque Fraîcheur, doux, à l'huile d'amande douce. Franchement, je vous le recommande. Il dessèche pas les ongles et j'adore l'utiliser. C'est sûr que ça, j'ai tout ça. Dès que je retourne chez Stokomani, je reprends. C'est obligé. Donc voilà. Et ensuite les deux petits derniers. Donc là, j'ai terminé une crème de la marque Lavera. Donc c'est une crème de nuit. Et que dire? Pour revitaliser la peau, j'ai détesté l'utiliser. Je l'ai fini. Hein. Mais à chaque fois que je la mettais au soir, ça me piquait sur le visage. Pourtant, c'est Lavera, c'est une très bonne marque au niveau bio. J'ai pas aimé du tout. Je préfère encore nettement ça. Vous payez ça 2 balles. Ça, j'ai payé je sais plus quoi, une dizaine d'euros ou passé ou 15 balles sur Amazon. Je l'ai fini, hein, parce que voilà, pas gaspiller. J'ai détesté l'utiliser. Donc voilà, ça c'est sûr, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un petit contour des yeux de la marque Santifolia, anti-âge global, à l'extrait de date. Oui, j'ai beaucoup aimé l'utiliser, il m'a duré 3 plans même. Donc ça, je l'avais trouvé sur Beauté Privée. N'hésitez pas d'aller voir sur Beauté Privée, vous trouvez franchement des produits, mais vraiment à prix, mais... ça vaut le coup quoi. Donc voilà pour mes produits terminés. Donc tant que j'y pense, parce que moi avec mon cerveau de moineau, prochaine vidéo All Vinted et retour de brocante, je vous tourne ça ce week-end, et une autre vidéo All Beauté Privée, j'ai fait une commande mais la commande elle veut pas arriver, j'espère qu'elle va arriver, et Yves Rocher. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc moi je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Je retourne à mes cordées et je vous fais d'énormes bisous, et n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, c'est juste en bas et ça m'encourage. Voilà, donc moi sur ce, je vous dis à très 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 vite pour une prochaine vidéo. Plein de gros bisous, ciao tout le monde.